Bonjour à tous, c'est Vivi. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va faire de l'urbex. Alors, vas-y, je vous montre. L'urbex, c'est au niveau du parking. Là-bas, il y a une discothèque abandonnée. Donc, c'est une discothèque pour l'instant, c'est fermé. Je sais pas si on va le faire, vu que je sais pas là. Là-bas. Oh, si la vidéo sort, on peut rentrer. Donc, là, les gars, on est arrivé à la discothèque abandonnée. Là-bas est fermé et du coup après si on s'est chopé on se montre sinon il y a peut-être une partie où je pourrais où on essaierait de rentrer. Ça, on peut dire que ce serait peut-être la partie 1. On a trouvé cette faille là, on va peut-être essayer de rentrer. Question est là. Putain, j'ai pas dû porter ces chaussures là. J'ai des chaussures plutôt molles. Et genre, il y a des orties en plus. C'est trop compliqué à passer, je pense. Christian, viens. Christian, viens, dépêche-toi. Mais t'aurais dû passer où je t'ai dit, il y a pas trop de ronces en plus. Viens, gars. Non, 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 non. T'es pas là-dedans. Pas de cassage. Vas-y, remonte. Viens, viens, viens. Les gars, du coup, on va passer là. On va essayer de passer, les gars. C'est une dinguerie. J'espère qu'on va pouvoir le faire, les gars. Discrétion, gars. Viens, dépêche-toi. Eh, hey, mais Christian, vraiment. T'es énervant, gars. Viens. Mais allez. Ah, t'as porté ces chaussures là en plus. Ah putain, saleté d'ortie. Ah, ils m'ont niqué. Viens, viens, viens. Tiens-moi ça. Je vais essayer de passer. De la discrétion. Assassin Creed. Je pose dans sa carte, mais... C'est film. Ouais, désolé. Waouh, le tag. Il m'en encore. Ouais, il m'en encore. Donne-moi mon sac, s'il te plaît. Donne-moi mon sac. Les gars. Ouais, ça filme encore. Tiens. Merci, frère. Viens, 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 passe. Fais comme moi. Fais comme moi, dépêche-toi. Désolé, les gars, si ça cadre mal. Mais non, mais non, mais tu passes. Tu fais comme moi, j'ai fait. Oh mec, tu passes, vas-y. Vas-y, vas-y, continue. C'est bien, allez, vas-y. Vas-y, gars. C'est bien, les gars. On a réussi à passer, les gars, je suis trop content, cette vidéo va sortir. J'en ai rien à foutre, très bien. Allez, viens. Viens, Christian. Filme, tu vois, quand on va rentrer dans la discothèque, tu vois ici, t'as un petit bouton là. Tu fais comme ça, et ça active la lumière, ok. Allez, je compte sur toi, allez, viens, on y va. Ouais, on est dans Assassin's Creed là. Waouh, il y a un bébé. Il est vivant. Ouh, il y a quelqu'un. Ça filme encore là? Oui. Active la lumière, active la lumière. Ah oui, c'est vrai. Tu sais, la règle d'or en urbex, c'est une petite. Bien sûr. Les gars, je vais arrêter de parler. Filme encore. Arrête. Non, je joue pas avec des bonbonnes de gaz. Arrête. D'accord. Ah oui, quand Gondor nous avait dit qu'il y avait de la lumière. Fais attention, tu m'as épilé. Ouais. Tiens, vas-y, envoltez là. Je fais vraiment attention là. Regardez les gars. La discothèque, ici les gars. Ah, regardez les gars. Comment c'est vide. Ici, il y a ça. Frère. Là, tu vas voir quelqu'un qui va venir avec une seringue et va nous courir après.
Arrête. Frère, il y a des produits chimiques en plus. Touche pas ça. Mais mec, touche à rien, touche à rien. Tellement, il y a le plafond qui est en train de s'effondrer en plus. Prends ton téléphone, Christian. On a un manque de lampes. Parce qu'on a pas. On aurait dû prendre une lampe. Les gars, on va travailler en double lampe. En double lampe. Oh, j'espère que ta vidéo va passer. Mais j'en fais plusieurs parce que je coupe à chaque fois, c'est fait exprès. Oh. Mec, saleté, il y a plein de choses partout. Merde! Excuse-moi, je sonne d'abord. Christian, viens! Christian! Christian! C'est un lâche. C'est un putain de lâche. Mec, il paraît qu'avant il y avait les gitans ici. Ah ouais, carrément les gens. C'est le bordel, le bordel. Putain. Ouais mec, tu m'as fait peur. Oh mec, arrête, arrête. Oh mec, il m'a fait peur. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Les gars, on est en putain d'urbex. Première fois de ma vie que je fais ça. On va faire du bruit normalement, mais Christian, vraiment, il n'y a pas du scar, ça m'énerve un peu. Mec, il a de la merde. De la merde partout, gars. Bah, en vrai, c'est moins de la merde, vu que là, c'était tout décomposé, mais. Attention, on met les pieds, quoi. Ouais, ah, oui, carrément. Attends, tu veux m'emmener? Oh, alors, oh, mec. T'es mort, j'en vais. On va passer sur le côté, là. Ah ouais, carrément, il y avait... Bah, il y avait les gitans avant, mais ça m'étonne pas, là. Les gars, je vais pas dire où on est, parce que, tu vois, si la police nous retrouve, on n'a pas le droit. Ouais, non, en fait... Bah, en fait, ouais, je vais pas dire où on est, tu vois, ça se fait pas. Après, j'ai pas envie qu'il y ait des blessés à cause de moi et tout. Tellement, il y a du gaz. Il y avait vraiment les... C'est quoi, ça? C'est quoi? Truc en décomposition. C'est mon papy. T'es mal ordi. Ouais. T'as vu mon setup? Mais moi, ta gueule! Ta gueule! T'es mal le toit, comment il est, gars? T'es mal le toit! Non, mais les gars, regarde, regarde mon setup, il est trop bien. Oui, il a bien son setup, voilà. C'est un peu, il est petit. Merde. Victor, je vais être honnête, il y a vraiment rien. Tiens, à voir. On bouge de cette porte, elle fait que. Mais si. Y a pas un étage. En vrai, c'est pour être une dinguerie. Oh, voici la boule disco du 19e siècle. Non, la boule disco du de la discothèque, je pense. Arrête, tiens, fais moins de bruit. C'est là où je vais danser avec le bas. Allez, gars, viens. Les gars, on continue. J'espère que ça vous plaît cette vidéo. Je pense qu'on fera une partie 2 où on ira dans la ferme à Brunier. Si celle-là vous a plu. Bien, attends. Christian, 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 on n'a pas été exploré. T'es moi les pompiers. J'ai pas envie de me faire agra par la police. C'est que gars, on va se barrer vite. Après ça, on trace nos morts. D'ailleurs, j'ai fait oublier mon téléphone dans le puce. Quel con. Ah, mec, ça me dégoûte. Ça me donne envie de vomir. Même s'il n'y a pas d'odeur, regarde, ça me dégoûte. Rien que voir ça, ça me dégoûte. Oh mec, ça me dégoûte. Vous avez peur, ça sert à rien qu'on puisse dans les buissons, qu'il y a une chiotte juste à côté. Mais oui, les ministres, ils sont cons. Ceux qui ont fait ça, vraiment. Ça me dégoûte. Oh. Tu vois, les gens, il n'y a même pas l'odeur, mais juste ça, ça me dégoûte. Merci.
Encore, moi je suis pas encore monétisé sur YouTube, donc je suis obligé de flouter, mais tu t'as trouvé un porte-monnaie? Non, il est vide. Je suis déçu. Attends, une espèce de matraque là. Les gars avec des lampes comme ça c'est mieux, on est d'accord. On a bien fait de prendre ça. Hein. Viens, viens, viens. Les gars, j'espère que cette vidéo là vous aura plu. En tout cas, il y a des beaux photos. Tais-toi, Christian. S'il te plaît. Arrête, c'est pas drôle. Je suis désolé. J'ai pas vraiment des pieds de fée, donc pour se déplacer. Il y a du verre partout en tout cas. J'espère que vous avez mis. J'ai pas fait exprès. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. On se retrouve dehors pour l'intro. On se retrouve dehors pour la conclusion. Alors, petit verdict pour la fin de cet épisode, partie 1, on va dire hashtag. En tout cas, c'était un bonheur Bex. Après, il y avait beaucoup de déchets dedans, c'était un peu le bordel et tout. Bah, c'est un peu comme un bonheur Bex, quoi. Mais. Christian a fait un peu connard. Je vais donner mon verdict. Alors, mon verdict, c'est que il n'y a rien à voir. Je vais être honnête. Victor se souciait de rien. Il n'y avait personne. Mais ça faisait partie de la communauté commune de Quimpernier. Donc, ça là. Et bah, du coup, frère, si il y a des caméras, on est dans la merde. Si les flics arrivent, moi j'ai pas envie de faire de la garde à vue pour ça, quoi. Parce que Bastien m'avait dit qu'on pouvait faire de la garde à vue. En fait, alors pourquoi on est venu? Et au début aussi, on devait être avec 3 personnes. Avec. Et puis, bah, du coup, on se retrouve encore tout seul. Et du coup, ils pouvaient pas venir. C'est pas de leur faute après. En fait, ils veulent pas venir. Non, je sais pas. Et sinon, bah, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez un like, ouais, salut, un gentil commentaire. À une prochaine vidéo.